Bonjour, ce matin débat. Bonjour, député Pierre Matin à toutes. M'a profité de saluer mon ami Esaü. Ça fait longtemps que nous parlons, nous va parler. Ah bon? Ça fait un Oui, bon petit c'est temps. des anciens. Nous voyons cloche à ministre. D'accord, Esaü. Et m'a salué monsieur Lexidor. Ma petite Jean font les pour vous, m'a dit. M'a salué monsieur Que je n'ai pas encore eu l'honneur de rencontrer, mais que m'apprécie énormément sa capacité d'analyse et de discernement surtout. Merci beaucoup. Et permettez-vous que me saluer tous les membres et sympathisants MNCO, particulièrement Sylaro Kabvivè, Lagunav et Pointe-à-Raquette et tout le monde Mouri, Délugé et particulièrement Laki. Donc me saluer nous, messieurs, dames, à tout le monde et tous les sympathisants MNCO dans tout le pays. Hein. Dans le nord, dans le sud, dans le sud-est, etc. Et certainement à tout peuple haïtien qui a besoin d'un pile courage pour nous vivre, pour nous continuer à vivre dans la prison à ciel ouvert que nous vivons là-dedans. Bon, et ça veut dire, malgré le pays très difficile, et même c'est pour-il bien? Bon, comment peut-on aller dans ce pays? Et comme m'avait dit un étranger récemment, nous là, tout le monde là, il a boumé, il a résisté, mais effectivement avec une ligne particulière. Donc, c'est ça qui fait nous pas faire un pile bruit dans les médias, etc. Parce que nous avons une façon que nous-mêmes nous concevons à la politique. Très bien. Ministre Mario Dupuy, étant comme haïtien authentique, assassinat au président, j'ai l'impression, peut-être même avec moi, nous lit histoire assassinat empereur, président en Haïti, mais nous pas de témoin. Mais 7 juillet, président Jovenel assassiné la Kaili, ou témoin ça? Comment on vive-les? Bon, d'abord, c'était l'incrédulité. Il était difficile pour moi pour me croire qu'un événement, un acte aussi odieux et lâche, était pas possible. Il était pour un temps, toute journée, mercredi, ce 7 juillet, pour me en fait accepter que c'est un fait accompli, que effectivement l'événement arrivé. Donc, c'est avec un peu de tristesse. Et en même temps, de colère et de révolte que moi vive ça. Et si nous devons faire foi à l'ensemble d'informations qui sont disponibles jusqu'à présent, moi-même, j'ai tendance à vivre et croire et accueillir comme un acte d'agression et d'humiliation contre la République d'Haïti. Claire, claire, claire. Parce que cet assassinat lâche, nous considérons considéré comme un acte de guerre, même si l'État gagne complices nationaux là-dedans, ne fût-ce que présence étrangère dans l'accomplissement de l'acte, vient transformer le pratiquement comme un acte de guerre contre la République d'Haïti. Et assassinat ça, pour nous-mêmes, aller au-delà de la personne du président Jovenel Moïse. C'est le président de la République d'Haïti qui a été aussi lâchement assassiné, humilié. Donc ça a atteint nous, notre dignité collective, nous. D'abord, notre dignité personnelle, nous, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que citoyen. Mais collectivement, c'est plus grosse humiliation que la République d'Haïti a subi au cours du 21e siècle, ça, même depuis 200 ans que nous sommes indépendants. Mais, pas connaît. L'apprendre nouvelle là. Et, pas voulu tête me mentir, ou choqué. C'est plus d'abord, c'était l'incrédulité. Première réaction, c'est de quoi? Ah, mais non, ça, c'est sûrement une agitation. On tentative de manipulation, de désinformation. Et que est-ce que ça est possible? Malheureusement, hélas, c'était le fait. Mais Et nous, ça plus qu'on douleur qu'on blessure,
parce que comme moi, nous sommes sentis, je dis, hein, c'est pas famille président Jovenel qui a été et m'a profité et voyez toute sympathie by madame ni by petite li toute famille proche li seul frère etc tout collaborateur moun ki te remel moun ki pa te remel c'est ça la vie et c'est ça la vie politique aussi particulièrement mais moi penser que ou moun te remel président Jovenel que ou pa te remel que ou t'a soutenir que ou t'es en opposition avec elle li impossible pour pas atteindre la dignité d'haïtien. C'est ça mon sentiment. Mais moi connais que ou gagnez une série de grandes responsabilités et ou habitué assurer dans pays an, au niveau l'état grand pile monde qui parlait de assassinat détruit même vraiment détruit effacé la police il parlait même de inexistence mais gen moun tou ki pale de gouvernement tout système sécurité a ki impression ou même ki lèk tu pa ou l'état haïtien rive non tel point de il va même état de dysfonctionnement encore de désarticulation et que nous même un petit peu gêné nous même un petit peu gêné et honte pour nous parler de état pourrissement l'état pays. Et c'est pas par hasard que à chaque occasion faut nous que et même c'est pas sorti notre souvent. Parce que nous toujours prenons pile temps d'analyse, de réflexion, de compréhension, d'observation même active pour nous essayer de comprendre la partie de l'histoire pays, le développement pays pour nous parce que pays a pas commencé jeudi. C'est pas jeudi à pays a commencé exister. Donc pour nous comprendre qui ça qui conduit nous côté rivé là et que c'est même nous-mêmes nous gain comme principe nous pas jamais peur la vérité. Parce que la vérité en soi est révolutionnaire. Donc nous pas peur et nous pas honte pour nous dire que nous honte de état pourrissement toute structure de gouvernance pays nous. Donc c'est ça qui fait que plus que jamais, je dis, hein, pays a besoin des hommes et des femmes d'État qui a fait preuve, qui a une capacité pour dépasser, que ce soit égo, que ce soit intérêt de parti, que ce soit intérêt de groupe, que ce soit intérêt social, que ce soit intérêt économique, yo, pour nous capables de capacité pour nous faire dépassement ça, pour nous dire est-ce que nous décider que nous voulons vivre dans un état organisé qui a une capacité pour produire bonheur pour ressortir sans le. Parce que peuple haïtien, je viens de dire la dernière note là, a droit au bonheur comme tous les peuples du monde. Le bonheur est un droit. Le fait que je dis, on a vivre dans une prison à ciel ouvert, c'est droit nous tous qui violer. C'est droit à existence nous-mêmes qui menacé. Donc, ça veut dire, juste un petit bref référence. Est-ce que nous n'avons pas de capacité, par exemple, gens, structure politique en France, par exemple, pour un bon exemple, après l'occupation pendant au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Léo est arrivé à la libération. Côté communiste, côté socialiste, côté de droite, côté d'extrême droite, côté d'extrême gauche, ils ont eu la capacité de faire l'union sacrée pour reconstruire la France. Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas fait ça dans l'intérêt d'Haïti. Surtout que nous avons un pays qui a une histoire beaucoup plus merveilleuse que celle de la France. Oui, mais quand on est là, Mario, est-ce que là ou sous l'avenir, en façon positive, vous êtes capable de considérer, vous êtes capable de dire assassinat ça positivement pour l'avenir du pays? Est-ce que ce n'est pas l'OE? Non seulement ça, moi-même, je suis convaincu, meilleure façon pour famille président Jovenel pas joindre justice, meilleure façon pour la République d'Haïti pas joindre justice,
Parce que c'est pas famille qui parle de justice seulement. Ouais. Faut considérer que famille fait partie de tout qui c'est la République d'Haïti. Meilleure façon pour la République d'Haïti pas jouer une justice, c'est si nous tenter. Chaque monde ou mais chaque groupe t'a tenté exploiter l'existence cadavre là pour des raisons politiques. Ça nous met faire quoi définitive sous dignité personnelle nous et sous dignité collective. Parce que c'est le meilleur moyen pour justice là pas jamais arriver. Et si nous faisons ça, si nous prenons route ça, pour mon tab dit que, par exemple, pour citer ça, m'attendez, président Jovenel pas intéressé par justice. Donc, il n'a pas mérité justice. Ou bien, président Jovenel te fait injustice. Donc, c'est normal pour le victime de injustice. Ou bien, mon cap dit que moi-même, moi, c'est partisan président Jovenel, m'te voté, m'te fait campagne avec elle. Donc, c'est moins ce secteur pas là pour jouer la justice là. Justice là pas qu'à compartimenter. C'est une justice qui doit arriver et qui nous concerne tous. Qui c'est même une opportunité pour nous refonder l'État. Pour nous refonder le pays, pour nous prendre un nouveau départ. Pour nous assurer nous. Bien. Que si un pays à vivre dans l'insécurité permanente, si chef létal, le premier des citoyens, même Jean un magistrat, c'est le premier citoyen de la ville, même Jean un délégué départemental, c'est le premier citoyen du département, si nous pas capables, chita, pour Mounsayo, capable de travailler dans la sérénité, pour assurer, encore une fois, bien-être et bonheur citoyen qui concerne eux, qui sous compte eux. Si le chef l'État, le chef d'État à venir, pas capable de gagner sécurité suffisante pour poser les vrais problèmes de ce pays, pour le cas réfléchir à tête reposée, pour le cas dans la sérénité, pour le cas rencontrer tout groupe qui compose la société. Pour qu'à représenter, rencontrer en fait société dans toutes ses composantes, sans craindre pour sa vie. Parce que l'homme a peur pour la ville, même intelligence lui diminue. Bien. Donc même capacité réflexive lui diminue. Donc il n'est pas foutu réfléchir même genre. Nous avons un risque pour nous transformer tout prochain chef d'État nous, en des paranoïaques endurcis qui prennent peur tout le monde. Qui parle pour moun qui campé derrière dou yo, qui parle pour moun qui chita en face yo, qui parle pour moun qui campé bon côté yo. Bref, qui parle pour tout citoyen qui sous responsabilité pour assurer bien-être yo, pour assurer sécurité yo, pour assurer que famille yo a vu bien ou bien gain opportunité égale pour vivre dans société. Donc, c'est plus gros défi qui concerne société là. Et si ne pas fait ça, signal que nous voyez. C'est dire que définitivement, nous pas mérité héritage qui nous menons. que la place nous pas là. Et si nos voisins ou nos partenaires arrivent à la conclusion ça, nous avons une route là. Nous avons le résultat à l'avance. Ouais. C'est mettre nous sous tutelle déclarée. C'est occupation brutale pour redresser la situation. Et c'est avilissement et humiliation totale pour les 12 ou 13 millions d'Haïtiens ou 15 millions que nous serons dans les prochaines années. Est-ce que nous caprons responsabilité, pas son responsabilité lié? Est-ce que nous caprons responsabilité historique ça pour nous liquider un héritage que nous bénéficions dans des conditions aussi douloureuses et difficiles. Après 3 siècles d'esclavage, nous arrivons à fond pour ouest qui changeait le cours du monde. Ouais. Est-ce que nous-mêmes, comme héritiers, nous pouvons dire que c'était là, nous pas mériter ça. Nous pas dignes de ça. Donc tout ça, c'est pour dire où, Pierre-Martin Tatout,
que situation ça je dis à là il y aller au-delà de la personne du président Jovenel du défunt président Jovenel Moïse. Il y aller au-delà d'une famille politique, d'un groupe politique, d'un groupe social ou d'un groupe économique. Donc m'en vi dit à la limite Jean de Saline te dit l'autre fois. Tout le monde qui pas senti au café sacrifice ça que eux même yo mettez yo à côté. Si yo pas reconnaître yo dans destin pays dans le bon sens dans la prise en main du destin du pays. Claire. Dans le bon sens. C'est l'occasion soit d'aller vivre de l'autre côté ou bien yo rentrer dans schéma pour sauver pays. Ou pas de cap. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son entreprise qui peut demander tellement de sacrifices et d'efforts de dépassement, sous sens ou pas kafel, ou sens ou pas digne pour mener combat ça, parce que nous pas d'accord pour payer entrer dans un combat fratricide sans vainqueur possible. Moi bien dit oui, sans vainqueur possible. Nous pas d'accord dans le jeu à somme nul. Donc, pour nous reprendre l'autre là encore, si nous pas d'accord pour nous faire le sacrifice nécessaire, première étape là, c'est accepter chita ensemble. Ça, c'est tout le monde qui a intérêt. Tout le monde qui a intérêt. Ça, c'est, à la limite. Ça c'est conseil là. Ça c'est conseil. À la limite, oui. Négocier intérêt. Mais j'ai nagé. Parce qu'il y va de l'avenir de nous tous. Voilà. Si nous pas d'accord faire ça, pour nous vivre ensemble, gentiment, nous allons tous mourir comme des idiots ensemble. Donc, sacrifice là énorme, lui demander un pile renoncement, lui demander un pile abnégation, lui demander un pile d'effort de respect de l'autre et d'acceptation de l'autre. Ministre Mario, évidemment, au monde, c'est faut nous voir dans le sens de l'intérêt général. Et toujours dit ça, l'intérêt général c'est pas la somme des petits intérêts particuliers qui reste intact. L'intérêt général, c'est l'intérêt qui transcende l'ensemble des intérêts particuliers. Donc les pivots. Donc alors, comme chaque monde, chaque groupe a toujours supposé qu'il y a intérêt, faut nous avoir une capacité pour nous chiter ensemble, pour nous négocier intérêt, pour nous connaître côté renoncement en fait. Par exemple, ceux qui n'ont jamais payé de taxes, ou bien qui ont toujours refusé de payer de taxes, ou bien qui veulent payer très peu, eh bien, il faut qu'ils connaissent que bon effort, bon sacrifice qui peuvent supposer fait dans ce sens-là. Par exemple, moun qui t'ai toujours pensé que le peuple n'a pas assez mûr pour collectivement prendre des décisions politiques, libéral connaît que bon effort, bon sacrifice qui va l'obliger fait dans ce sens-là. Et que les décisions collectives la fin prend, faut nous gon engagement, même s'il demande un peu de sacrifice pour nous respecter. Parce que il y va de l'intérêt de nous tous. Par exemple, est-ce que n'a pas accepté que gen moun nan pays a, par exemple, qui concevoit Haïti comme le comptoir, donc pas gagné changé par rapport à la période d'esclavagisme. Pas gagné changé alors, Haïti son comptoir, moi la donne, moi fais un pile cob, m'acheter quand même et sous d'autres cieux, côté moun te goumé pour gen sécurité, pour gen stabilité par exemple. Et puis moi juste vin là, moi ma ce petit kob malé, l'aim besoin détendre moi, l'aim besoin loisir, alors que si nous 12 millions dans pays là, nous tous 12 millions ont besoin loisir. Nous tous 12 millions ont besoin vivre. Nous tous 12 millions gen droit à la vie, gen droit à l'éducation, à la santé, au bien-être et surtout au bonheur. Là nous parler de du droit au bonheur dans MNC. Nous pas parler en tant que droit au bonheur pour tout le monde riche plein l'argent, non? Droit au bonheur là, c'est tout le monde capable mon côté décent pour loger en tant que citoyen. S'il gagne un mal tête, il peut rentrer dans un centre de santé convenable. Il y a accès à la santé. Il peut marcher sous pile fatra. Il peut vivre sous pile fatra. Il peut vivre dans une prison à ciel ouvert. Côté ces gangs, ces bandits qui ont décidé du quotidien des citoyens. Pas possible. Donc, faut que nous gons entendre sur ça. Et c'est ça, sous mon ab, chaque monde qui a réclamé des prouesses de Dessalines, de Christophe, de Pétion.
avant de faire ça, gardez l'état la rue. Gardez combien de piles fatras gagnent dans la rue. Gardez combien de timoun qui pas à l'école. Donc, ma profite de citer un texte, madame, qui relate ça, qui dit tout pays occidentaux aujourd'hui, ils ont peur de la quatrième vague. Il y a peur de vivre en confinement. Mais est-ce que nous-mêmes nous réalisons depuis combien de temps que Haïti est confiné? Que grand pile monde qui levait chaque jour, il est obligé de confiner la caillou ou bien la caillou parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail. Mm-hmm. Et si ça gagne, c'est au risque de leur vie pour traverser des zones qui pour permettre de arriver à son lieu de travail, puis il gagne 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes. Pour yon kape kayo, pour yon kape prendre soin de famille, pas de confinement qui est plus terrible que ça. Est-ce que nous connaissons tout, par exemple, que les assassinats par balle ont fait plus de morts que la pandémie de la COVID-19? Nous connaissons ça? Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ah oui. Donc, il est l'heure, il est temps, pour nous poser vrais problèmes pays. Hein. Et surtout, sont impératifs pour chaque Haïtien, que le Premier ministre, que le ministre, que le directeur général, que le chef citoyen, que le chef de service, pour nous laver cette humiliation, cet affront qui est fait contre le président de la République d'Haïti. Ministre Mario, merci. Et puis, nous disons bon week-end. Merci Pierre Mathieu. Ministre, depuis, je ne sais pas, sur ça par rapport avec niveau justice noir. Est-ce qu'on confiant que nous a privé jeune justice pour un président, mais pas seulement président, M. Montferrier Dorval et tant d'autres monde qui mourent dans des conditions, troublantes. Maintenant, gagner des monde, gagner des secteurs qui, des personnalités qui clairement montrer que yon commission, du moins la justice internationale t'a aidé nous dans le domaine ça. Qui point de vue? Écoutez, d'abord, prodiguer justice, nos sociétés sont choix sociétal liés. C'est société à qui choisit ça. Mm-hmm. C'est pas un petit groupe ni un grand monde qui a produit justice là. Il faut que ce soit un mouvement sociétal pour lui. Et ça fait nous insister sur le fait que c'est un affront national. Mm-hmm. Donc, ce qui veut dire que faut toute force vive pays hein, entendre sous accompagnement appareil judiciaire haïtien hein, pour balle j'arrête, pour balle ce qu'il faut. L'État n'a pas qu'à dire, des responsables de l'État n'a pas qu'à dire, nous pas qu'à bailler, nous pas le garder côté n'a pas moyen pour nous protéger un juge qui a fait sur mon dossier. Sous quel que soit monde qui victime de assassinat, il doit faire un choix de société, c'est de première priorité l'État qui représente ensemble citoyens. Donc, si nous pas fait choix ça, dans 5 ans, nous continuons à faire le même débat. Par rapport à l'international, nous qu'à exiger, nous qu'à chercher une coopération, une collaboration avec l'international, côté nous défaillant, yo, mais nous pas qu'à remettre recherche justice nationale nous à l'international. Mais alors sur le dossier de Maître Dorval, pour nous finir, et le juge et qui Renaud Régis qui était sous dossier hein, il quitté pays hein, sous menace en bas en pile menace que il a recevoir, mais jusqu'à présent dossier là pas même gain juste sous lui. Avait dit là nous pour mettre Dorval dit comme ça, et bon bien entendu gain mon qui va dire dossier Jovenel Moïse là c'est un autre dossier, c'est un chef d'état, mais qui aussi important pour pays hein, que mettre Dorval ta joindre justice, parce que c'est pas n'importe qui, mais yon sept citoyen ta mourir, j'en t'ai mourir, il doit joindre justice, voir pour yon figure tant que mettre Dorval, si c'est pas première fois, même si je ne m'abuse, yon bâtonnier li mourir dans condition que le mourir. Et monsieur Lexido, ça m'envie dit où
et au risque de me répéter, moi je dis que produire justice doit être un choix de société, son choix collectif ou lié. Et je comme exemple, je qui a pensé que, ah, quel idéaliste, et ce monsieur Dubuis est en train de rêver. Non, je ne rêve pas. Parce qu'il y a des exemples contemporains qui le démontrent. Je prends l'exemple de l'Italie dans sa bataille contre la mafia, contre la corruption. Léo a lancé l'opération Manu Polite, qui voulait dire opération main propre. Les juges italiens se sont retrouvés, s'étaient retrouvés dans la même situation que les juges haïtiens aujourd'hui. À la seule différence, l'appareil de l'État avait estimé que son priorité pour assurer le développement de l'Italie, son progrès économique, son progrès social, son progrès culturel, et tout appareil l'État, en bloc comme un seul homme, tenant deux juges pour t'accompagner dans la sécurité, dans la protection, dans la manière qu'ils vivent, dans la protection de leur famille, de leurs parents, de leurs proches, qui pour permettre de mener l'opération à bout. À bon port. Donc, faut nous pas croire que c'est parole en l'air. C'est possible. Donc, c'est là qu'il vient faire appel à l'ensemble des partis politiques, à l'ensemble des organisations de la société civile, à l'ensemble au patronat haïtien, aux syndicats d'ouvriers, aux associations patronales, pour que ensemble on fait choix ça. Parce que n'importe qui est victime, tout, ou même qui est victime, qui a prêté sans justice. Donc l'impunité va s'installer comme une norme. Donc ça n'a cessé, fait partie du monde moderne. Donc et c'est là, avenir pays a dépend de ça. C'est ça que fait qu'on connaît. Est-ce que nous voulons Haïti? Nous voulons un Haïti pérenne qui continue à exister. Pas dans là où la vivre là aujourd'hui. Mais pour changer conditions d'existence, li, pour changer cadre de visite, li, pour changer image la bouée à l'extérieur, qui pour permettre li attractif, aller investir, c'est dit non. Si dans 10 ans, s'il y a 10 ans de cela, je ne peux pas investir comme dans le pays, je dis, par rapport à l'effort, je vois qui est fait, que le propre pays, moun pas marcher sous fatra, gon effort qu'a fait dans l'éducation pour former jeunes, gain l'école professionnelle, gain sécurité, etc. Sauf que yon manque capitaux, bon là m'a vin investi un peu, vin investi comme moi, pour me participer tout, pour me faire bénéfice certes, mais pour me contribuer dans l'espace qui a assuré le développement moun. Donc c'est des choix. Bon week-end, bon week-end. Merci un peu. Bon week-end. Merci, plaisir. C'est ton plaisir. Bon, voilà. Et c'était le ministre Mario Dupuis. Esaïe, moi t'as cherché dans le téléphone là. Oui, bien, on aime bien pour me parler avec Ricardo Fleuridor, que nous allons parler avec Ricardo Fleuridor, lui-même nous connaît, qui c'est responsable, nous pas complice, qui lui-même t'a souhaité à ce que c'est un gouvernement et de tête. N'a salué princesse G dans New York, princesse G. Même j'ai salué G Production dans New York City. Ricardo Fleuridor, c'est lui-même, nous pourrions parler avec lui là, pour ça. Ricardo Fleuridor, c'est responsable, nous pas complice. Côté nous là. Et nous pourrions parler avec Ricardo. Côté Jack nous là. Et Ricardo Fleuridor. Pourquoi il fait que tu es dans mon lavatin? Ouais. Et Ricardo Fleuridor, qui est déjà en ligne. Allez là. Nous saluons G Production. Et Pachuco, le Meli Melo, et Resto, nous connaissons dans Long Island, si vous besoin pour plaisir, enjoy you, Alenga Otu, c'est dans Meli Melo, Resto, et G Production. Et nous saluons tous les amis qui sont toujours branchés l'émission Maté Débat. Nous saluons Don Roro qui passe ouais nous là, et nous t'ai croisé Florida dernièrement là. Et Ricardo Fleuridor, et un gouvernement à deux têtes, un premier ministre, un président de la République, un président provisoire. Comment nous pas complices à agir? Là nous connaissons que nous pas complices à gourmer pour que ils remettent l'argent Pedro Caribe.